Passons à présent au projet Recréation Bis. Pourquoi Bis? Parce que le prochain groupe a en fait réinterprété des images qui étaient déjà elles-mêmes des réinterprétations. Je vous explique un petit peu plus. En 2007, le parcours d'art Le Chemin des Images avait invité Julia Voynier, une artiste contemporaine, à réinterpréter des expressions populaires. Une expression populaire, c'est une phrase un peu toute faite qui a à comprendre au sens figuré. Par exemple, si je vous dis « ce ne sont pas mes oignons », qu'est-ce que ça signifie ? Je m'en mêle pas. Ce ne sont pas mes affaires. On est d'accord, elle n'est donc pas à comprendre au sens propre, il y a comme un sens caché, un sens un petit peu mystère. Donc découvrons ensemble le travail de réinterprétation de la classe de 4e de l'EREA François Georgin qui a travaillé autour de ces expressions populaires et qui les ont mis en scène, réinventées à leur manière. On regarde leur projet, donc tout le monde est attentif, et ensuite on leur donnera la parole pour qu'ils nous expliquent un petit peu les deux étapes. Et ce seront Kevin et Kevin, vous êtes toujours prêts ? Oui, vous avez l'air, hein. Kevin et Kevin, juste après, pendant la projection, tiens, venez me rejoindre sur scène. Mesdames, Messieurs, nous allons nous pencher ce soir sur les expressions françaises qui utilisent les végétaux de nos jardins. Ces drôles expressions méritent d'être expliquées. Bon, ça vient la soupe? Qu'est-ce qu'on mange? Bonjour, je dois faire les premières constatations de l'enquête. Premier élément en verre. L'affaire est résolue. Elle a mangé les pissenlits par la racine. Oui, j'ai un rancard, Youpi! Oh, tant pis, vous voulez ouvrir. Shot. Mais foutez-moi la paix, vous! Non! Oh, mais je vais te taper! Mais c'est moi qui va te taper! Arrêtez de me prendre le sou! Moi, je me bats! C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que vous avez fait dans ma salle de classe?
Mais c'est pas possible! C'est quoi tout ce bazar? Vous avez 2 minutes, vous me rangez tout! Mais comment vous avez fait? Même pas 1 minute et vous avez tout rangé? Bah c'est ça, on a la patate. Quelques mots pour expliquer leur projet. À vous les garçons, on vous écoute. Alors nous avons commencé, nous avons visité le musée de l'image et travaillé sur les différentes expressions. Par exemple, être rouge comme une tomate, comme vous avez vu pendant la vidéo. Être rouge comme une tomate, avoir la patate. Et nous avons cherché l'origine des légumes. Dans le sens propre. Merci à toi. Ensuite. Après, nous avons fait les écritures des scénettes. On a réfléchi sur la mise en scène. Et on a fait des captures sur fond vert. Des incrustations d'un nouveau fond. Merci à toi. Et ensuite, nous avons tourné les différentes scènes. Et on a effectué les intros sur Panzoid. Et nous avons fait les montages vidéo sur Filmora. Merci beaucoup pour ces explications. Vous avez... Donc merci à toute la classe et à votre enseignant qui a mis de sa personne dans la réalisation et l'essai net. C'est vraiment pas un exercice facile de se mettre comme ça en scène directement devant la caméra. Et vous avez vraiment relevé le défi haut la main. On vous applaudit encore une fois parce qu'on aime bien.